ajouté un hologramme sur ma moto pour éviter d'effrayer le public quand elle est en pilotage automatique. C'est l'heure d'un bon petit smoothie, ça va me faire du bien. J'ai l'estomac qui crie famine tellement j'ai faim. Oula, et c'est pas du tout une petite faim. Non, c'était pas ton estomac. C'était plutôt un tremblement de terre. Oh, dégueu cette odeur de soufre. Allez, encore une fois. Azarath, Metrion Zintos. On peut apprendre autre chose, genre la lecture, la géographie ou la physique quantique. La physique quantique n'a aucune utilité. La magie fait partie intégrante de notre nature. Tu dois marcher sur les traces de ton père. Non, oh, j'ai horreur de la magie. Oh, de la lave en pleine ville. Oui, c'est bien de la lave. Vous en faites pas, j'ai réussi mon examen de secourisme extrême. Je vais mettre un peu de clim. C'est pas le moment de se prendre en photo. Mais... maintenant, si. Il faut redoubler d'efforts si tu veux pouvoir ouvrir un portail une fois à Métropolis. Quoi? Tu m'avais pas dit que le sort servait à ça, papa. Te mets pas dans un état pareil. Avec un peu d'entraînement, tu pourras ouvrir des portails n'importe où et n'importe quand. D'accord? Non, t'as pas encore compris que j'ai aucune envie de faire comme toi. Pourquoi? Savoir ouvrir des portails, c'est à la fois utile et palpitant. Azarath Metrion Zintos! Continue à t'entraîner jusqu'à ce que tu saches faire ça. Je retourne dominer notre monde depuis ma chambre. Si son obsession, c'est les portails qui ouvrent sur Métropolis, autant que j'y aille tout de suite. Je pensais pas que l'odeur du soufre était si répugnante à la surface. Ça sent le roussi à plein nez. Super!